Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michael Bartositi, je suis chef pâtissier exécutif à l'hôtel Georges V à Paris depuis 2019. Ciao a tutti, sono Rocco Cannavino ed insieme ai miei fratelli sono il titolare di Zio Rocco Lab Store. Oggi ci troviamo nel mio locale di Napoli e insieme vi mostreremo il cornetto italiano. On s'est réunis aujourd'hui pour réaliser le croissant en compagnie de Guillaume Cabrol, qui est le chef boulanger de l'hôtel Georges V. La storia narra che il cornetto sia arrivato in Italia all'incirca fine 1600, grazie agli scambi commerciali tra l'Austria e la Repubblica di Venezia. All'epoca il cornetto non aveva ancora la sua forma di mezzaluna, ma era dritto. Le croissant de lune, tel qu'on le connaît, serait né à Vienne lors de l'assaut du peuple ottoman. Et ce sont des boulangers en fait, qui se sont aperçus en fait, que des tunnels avaient été creusés par le peuple ottoman pour envahir la ville, qui ont sonné l'alerte, qui ont sauvé la ville et qui ont créé donc, ce croissant de lune pour se moquer un peu du peuple ottoman et aussi crier victoire. Les ingrédients que nous utiliserons pour faire ce cornetto italiano sont farina di tipo 0 Manitoba, sale, zucchero, burro di latteria, lievito di birra fresco, uova e aromi naturali, arancio, limone e bacche di vaniglia. Pour réaliser le croissant courbé, on a besoin de divers ingrédients que je vais vous lister. En l'occurrence, donc du lait entier, du sel, un sucre de canne bio, un sucre dit rapadura ou panela, une farine de force, donc type 45 en France, type 0 en Italie. Ensuite, levure, bien évidemment, le beurre, du miel et pâte fermentée qui va aider finalement à la conservation. Et ce que j'appelle pâte fermentée, c'est finalement ce sont les chutes entre guillemets de croissants lorsqu'on va les tailler avant de les façonner. Con mio fratello Raffaele andremo a pesare 3 kg di farina Caputo Oro Manitoba di tipo 0. E andremo a porre tutti gli ingredienti dell'impastatrice prima di partire con l'impasto. Inseriamo prima tutta la parte degli ingredienti secchi e poi a susseguirsi burro e liquidi. Utilizziamo una braccia tuffanti per dare più ossigenazione all'impasto. Ci vorranno all'incirca 20 minuti e a metà del processo di impasto la velocità dell'impastatrice sarà passata in seconda modalità. Pour le pétrissage, on va le faire en deux étapes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pétrir la pâte dans un premier temps à la première vitesse pour créer finalement une pâte et un réseau, un réseau de gluten entre guillemets. On va la pétrir 10 minutes, ensuite on va justement ajouter la pâte fermentée dont je parlais précédemment, qui va nous aider à la conservation du croissant. Et là, on va accélérer un peu les choses pour justement donner de l'élasticité du corps à la pâte et de l'élasticité au gluten, que la pâte soit un peu plus élastique. Ce qui va nous permettre, lorsque le croissant va gonfler au four, va permettre qu'il ne craque pas, parce que la pâte a suffisamment, enfin le gluten a suffisamment d'élasticité pour lui permettre de se développer. Quando vedremo l'impasto liscio ed omogeneo, dovremo assicurarci che la maglia glutinica sia bella resistente. Questo per permettere una giusta lievitazione al prodotto ed evitare che si possano formare crepe durante la cottura. À la fin du pétrissage, on va juste prélever une partie de la pâte, en l'occurrence 600 g sur le pâton total, qu'on va ajouter après, en l'occurrence sur la toute fin du tourage, une fois qu'on aura réalisé notre tour double et notre tour simple. Fratello Armando adesso peserà un panetto di 4 kg, lo pirlerà e lo metterà direttamente in abbattitore per raffreddare l'impasto e far riposare la maglia glutinica. Donc à la fin des 20 minutes de pétrissage de notre détrempe, on va la laisser reposer une petite demi-heure au frais. Dopo circa 10 minuti l'impasto è freddo e andremo con la stesura per incorporare il pastello di burro. Et on va la récupérer ensuite pour commencer ce qu'on appelle l'étape du tourage, qui est une étape très délicate. Et en l'occurrence, cette étape veut qu'en fait on enchasse le beurre dans la pâte. Et pour ce faire, on va étaler notre pâte au double de la longueur de notre beurre. Ce qui va nous permettre de pouvoir poser le beurre sur la pâte et pouvoir l'enchasser de façon à ce qu'il soit entièrement recouvert
partout et que ce soit omogène et régulier. Il primo passaggio è quello di stendere la pasta sulla sfogliatrice, portarla a una lunghezza il doppio del pastello di burro, questo da permettere una chiusura al libro completa. Chiudiamo il nostro impasto intorno al pastello di burro, riponiamo di nuovo sulla sfogliatrice e andiamo di prima piega. On va utiliser le laminoir, donc ce qui va nous permettre d'étaler la pâte régulièrement. On va l'étaler à peu près à 1 cm d'épaisseur maximum. Ça ne sert à rien d'être trop fin pour ne pas écraser finalement les feuillets de beurre. Donc sur le premier tour, ce n'est pas grave. La prima piega che daremo con la sfogliatrice al pastello è a portafoglio, quindi a tre, una sopra l'altra. A questo punto il nostro impasto andrà di nuovo in abbattitore coperto da un cellophane per altri 10 minuti. Et en fait, on va replier, ce qu'on appelle replier à la manière de portefeuille, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va on a notre abaisse de pâte, on va la replier d'un côté et finir avec le restant de pâte par-dessus, ce qui fait qu'on a trois couches. Donc une fois qu'on l'a repliée, cette pâte, on va lui faire faire un quart de tour pour toujours avoir finalement le dernier pli devant, comme ça on ne se trompe jamais, pour toujours étaler dans le même sens. Voilà, c'est des petites astuces pour ne pas se tromper. Et ça, on va l'étaler, encore une fois, à peu près 1 cm d'épaisseur et on va répéter l'opération. Dopo aver incorporato il burro, daremo un'altra piega al panetto, ma questa volta sarà a 4, a mo' di libro. Le premier tour qu'on va donner, on va donner ce qu'on appelle un tour double, c'est-à-dire que plutôt que de replier une pâte sur une autre, on va replier deux pâtes au milieu qui vont se rejoindre et on va replier encore tout ça en portefeuille. Ce qui permet de doubler mathématiquement à peu près le nombre de feuillets qui vont se créer par cette action de pli-étalage. Alors, une fois que notre pâton est ce qu'on appelle touré, donc il est prêt à l'emploi. Seulement là, on a réchauffé la pâte, on a réchauffé un tout petit peu le beurre et donc il va falloir le laisser un peu reposer et refroidir avant de pouvoir l'utiliser. Et pour ça, on va le mettre dans un congélateur. Ultimo passaggio di raffreddamento in abbattitore sempre per 10 minuti prima di andare poi alla stesura finale. Au bout de ces 1 heure de repos, on va récupérer notre pâton. On va l'étaler au laminoir et on va l'étaler sur une épaisseur de 3,5 à 4 mm environ, en fonction du résultat qu'on souhaite. La stesura finale sarà di uno spessore che va tra i 3,5 e 4 mm. La sfoglia è pronta, ora non ci resta che eliminare le parti in eccesso di impasto. Come potete vedere, si possono già distinguere i 32 strati di sfoglia che si sono venuti a creare. Donc déjà, on va se débarrasser de tous les bords pour avoir un feuilletage qui soit parfait, parfaitement maîtrisé. Et comme je le disais tout à l'heure, on garde ces chutes, ce qui va nous permettre d'enrichir la prochaine pâte qu'on fera. Et là, on va tailler des triangles d'à peu près 30 cm de long sur 7 cm de large. Il taglio dei nostri triangoli dovrà essere di 7 cm di larghezza e 17 cm e mezzo di lunghezza. Ça paraît très long, mais en fait c'est justement pour avoir ce côté très enroulé, très serré, avec énormément de feuillets qui se dessinent. Parce que c'est ça qui appelle l'œil, et on sait très bien qu'on mange, on mange avant tout dans un premier temps avec les yeux. Et donc un beau croissant, ça donne toujours envie. Donc voilà, cette étape est très importante. Una volta sezionata tutta la sfoglia, siamo pronti per andare all'avvolgimento dei singoli cornetti italiani. È importante attaccare l'estremità del triangolo al banco per permettere un regolare avvolgimento del cornetto.
Une fois qu'on a roulé nos croissants, on va bien prendre soin, puisqu'on est là pour faire des croissants de lune, puisque c'est ce croissant qu'on rend hommage aujourd'hui. Une fois qu'on l'a roulé, on va le replier sur lui-même pour lui donner cette forme justement de croissant de lune. Il cornetto italiano da tradizione prevede 4 giri dell'impasto su se stesso. On va passer à l'étape une des étapes importantes également, c'est la fermentation, c'est-à-dire la pousse. Et donc on va mettre notre croissant dans une chambre de fermentation. Et on va les faire pousser comme ça à cette température-là, avec une hydrométrie à peu près à 80%, pour ne pas qu'il croûte et qu'il sèche. Et donc on va faire pousser notre croissant pendant environ 2 heures à cette température et cette hydrométrie. Una volta disposti i nostri cornetti nelle teglie, andranno in camera di lievitazione per 8 ore ad una temperatura controllata di 21 gradi. I nostri cornetti hanno triplicato di volume e sono pronti per essere spennellati con uovo. Per donare più lucentezza al cornetto, noi li spennelliamo 2 volte con una pausa tra le 2 spennellate di 10 minuti. Au bout de ces 2 heures de pousse, on va avoir un croissant qui a doublé, même plus, en volume. Et donc, ça va être le moment de la cuisson. Donc, la dernière étape avant la dégustation, finalement. Donc, c'est là qu'il faut faire bien attention. Et donc, on va préchauffer notre four. C'est important de préchauffer votre four à une température assez haute. Et là, en l'occurrence, on va le préchauffer à 220 degrés pour que le croissant, lorsqu'il va être enfourné, soit saisi. Et que la fermentation se passe rapidement, donc qui gonfle rapidement et pas qui sèche. Voilà. Donc on enfourne à 220 degrés et on va tout de suite redescendre notre four à 160 degrés environ pour qu'il cuise tranquillement. Et on va les cuire pendant environ 20 à 21 minutes. Il forno è caldo e siamo pronti per infornare. I cornetti andranno cotti in un forno ventilato a 180 gradi per 22 minuti. Di volta in volta controlleremo la cottura e quando raggiungeranno il colore mogano saranno pronti per essere sfornati. Ecco i cornetti, importantissimo farli raffreddare almeno mezz'ora prima di tagliarli o di farcirli. Potete notare la sfogliatura esterna che è molto sottile e molto croccante. Voilà, il a eu la chaleur dont il avait besoin au départ pour amorcer la cuisson. Et ensuite, on va terminer de le cuire tout doucement pour éviter qu'on ait de la pâte crue au milieu. Si on cuisait trop fort et qu'on laisserait des températures trop fortes, on aura un croissant qui va colorer très vite et qui ne serait pas cuit au milieu. Donc on perdrait le feuillet, on perdrait la mie, on perdrait tout ça. Et ce qui va nous permettre en fait d'avoir une pâte qui va bien colorer. Et qui va maintenir le croissant et qui va rester très croustillante. Pourquoi ? Parce que celle-là ne sera pas tourée. Elle va rester sèche en fait comme elle est et ça va permettre de vraiment tenir le croissant et de garder ce côté très croustillant. Il cornetto presenta un'alveolatura abbastanza regolare, nel senso che gli alveoli sono tutti quanti molto simili tra loro. Oggi per Italia Squisita li farciremo, uno con crema latte di bufala e uno con composta di albicocche per le chielle del Vesuvio. Farcitura totalmente campana. On a vu ensemble la réalisation du croissant courbé, qui est un produit typique de la France. Alors c'est vrai qu'en Italie, on connaît tous le cornetto. C'est assez amusant de voir justement comment les Italiens vont le consommer. Ils vont le consommer garni de crème. Tout le contraire de ce que nous on peut faire en France, où justement on va laisser la part belle à la mie en fait, pour avoir un rapport entre la croûte et la mie. Et le peuple italien lui préfère avoir ce côté très croustillant, très crunchy, et avec ce côté très onctueux de la crème. Voilà, il y a deux salles, deux ambiances, et j'ai envie de dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Questo è il cornetto italiano, che nonostante le sue similitudini con il suo cugino francese, in realtà è molto diverso, soprattutto per quanto riguarda l'impasto. Ha le uova, è più dolce, ma soprattutto ha gli aromi. Quindi non può essere accostato a prodotti salati, ma possiamo farcirlo con creme golose, come facciamo di solito nella nostra colazione italiana. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, da Rocco e i suoi fratelli. A presto!
Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir pour la prochaine étape de ce reportage, l'interprétation que peut avoir le peuple italien sur les mêmes ingrédients, avec la même approche que le peuple français avec le croissant. Et c'est deux produits qui sont tout aussi bons l'un que l'autre. Donc je vous souhaite une belle masterclass et surtout buon appetito.